Permettez-moi de m'adresser à vous l'une des deux langues nationales de mon pays, le français, pour partager avec vous une partie de mon histoire à travers le discours que je vais lire tout à l'heure, parce que j'ai été jeune, exposé au sujet dont nous parlons ce matin. Mesdames et messieurs, je prends la parole ici en tant que président de la Fédération de football, mais aussi et surtout en tant qu'ancien footballeur africain. J'ai été jeune. J'ai rêvé moi aussi d'un avenir de footballeur professionnel en Europe. J'ai vécu les péripéties du départ en exil professionnel. J'ai enduré les difficultés d'intégration dans un environnement qui n'avait rien à voir avec le pays où je suis né et ai grandi. Je vous parle de vécu. J'ai beaucoup travaillé pour réussir, mais je reconnais aussi que j'ai eu plus de chance que d'autres jeunes de ma génération. Selon l'ONG, Foot Solidaire, Six mille mineurs quittent chaque année l'Afrique pour tenter leur chance en Europe. J'aurais pu être l'un de ceux qui n'ont pas réussi leur pari. J'aurais pu être pris au piège de faux agents de joueurs ou d'un réseau de passeurs sans scrupules. J'aurais pu rater tous mes tests et me retrouver sans papier comme beaucoup de jeunes en quête d'avenir. Ce sujet me tient à cœur, vous l'aurez bien compris parce qu'il parle de moi, d'un destin funesque qui aurait pu être le mien. Mesdames et Messieurs, sans éluder les autres sports, je vais m'appuyer sur mon expérience dans la discipline que je connais le mieux, le football. En effet, les footballeurs africains évoluent aujourd'hui sur le terrain du monde entier, et ils n'ont jamais été aussi nombreux. Selon une enquête du Centre international d'études du sport français, il représente 23% de l'ensemble des joueurs de première division en Europe. En Asie, la proportion atteint 27%. L'Afrique représente donc un réservoir de main-d'oeuvre inépuisable et bon marché. C'est un, un, un incroyable gisement de talent dans lequel tous les clubs européens viennent recruté allègrement de manière légale ou non. Le voyage périlleux du migrant sportif n'aboutit pas toujours à un contrat de footballeur professionnel. Parfois, à la suite de tests non concluants dans des championnats les plus prestigieux, les migrants footballeurs se retrouvent en situation irrégulière. Dans les pays moins respectueux des droits humains, on leur confisque leurs papiers et ils deviennent clandestins, endettés et traités comme du bétail. Pour appréhender ce phénomène remontant à ses origines, comment cet exode massif de footballeurs a-t-il été rendu possible Le fait déclencheur a été identifié. C'est l'ouverture des championnats européens aux ressortissants des pays européens, d'abord et ensuite aux joueurs venus de pays tiers. Le premier appel d'air fut l'arrêt Bosman, rendu le 15 décembre 1995 par la Cour de justice des communautés européennes. Dans leur décision, les juges de la Cour avaient rappelé l'obligation de respecter le principe de libre circulation des sportifs professionnels. Ressortissant des pays membres de l'Union européenne. Cet, an, cet arrêt supprima d'un trait de plume les quotas limitant le recrutement des joueurs entre pays de l'Union européenne. Le deuxième appel, d'air, est une jurisprudence intervenue sept ans après l'arrêt Bosman. Il s'agit de l'arrêt Malaja, prononcé le 30 décembre 2002 pour vous rafraîchir la mémoire. Je rappelle que le recrutement de cette basketteuse polonaise avait été rendu possible par cette décision de justice, alors qu'à cette époque la Pologne, qui n'avait pas encore adhéré à l'Union européenne, était encore soumise aux quotas visant les pays tiers. Les juges ont fait sauter ce deuxième verrou en vertu des accords de coopération entre les pays de l'Union européenne et les pays tiers. Les Africains. Ont été impactés par cet arrêt Malaja, par le fait de l'existence des accords de Cotonou signés par les pays de la zone afrique Caraïbes pacifique avec l'Union européenne. En résumé, mesdames et messieurs, la migration des sportifs, qu'elle soit légale ou illégale, est le résultat de l'ouverture du marché du travail européen aux ressortissants des pays tiers. Les footballeurs, notamment africains, ont donc afflué. C'est humain. Parmi ceux qui ont échoué, beaucoup ne peuvent pas repartir chez eux à cause de la honte provoquée par leur échec. Il faut savoir que les familles s'est parfois endettées pour leur permettre de passer un test dans un club et la pression de la communauté est très forte. Certains sont donc récupérés par des réseaux de et de trafic. Mesdames et Messieurs, sur incitation de l'UEFA, la FIFA a adopté un règlement sur le statut et le transfert des joueurs, dont une mesure a été adoptée interdisant le transfert international des joueurs de moins de 18 ans. Cette mesure vise à protéger les mineurs afin qu'ils deviennent une marchandise économique et une opportunité commercial, tout en préservant leurs droits et leurs facultés. Elle a cependant engendré des effets pervers. Dans certains pays, notamment africains, car elle a accentué le fraude, la fraude, pardon, sur l'âge. Cela a poussé de nombreux footballeurs à falsifier leur identité dans le but de se donner une chance d'être transférés. Pour répondre à cette dérive, la FIFA, en accord avec les fédérations nationales, a mis en place une solution technologique, le passeport électronique du joueur. Le passeport électronique permet de suivre l'historique d'enregistrement d'un joueur à partir de ses 12 ans, aujourd'hui à partir de ses 7 ans. Sa fabrication est soumise à un protocole rigoureux. Dans un premier temps, un passeport provisoire est généré. Ensuite, à l'issue d'une enquête menée conjointement avec les clubs et associations membres concernés la fifa établit une version finale visant à garantir la transparence et l'exactitude des informations tout en facilitant le calcul de la rétribution de la formation une fois le passeport final établi une déclaration d'affectation est générée indiquant le montant exact que le nouveau club doit payer à chaque club formateur. Le passeport du footballeur est donc un identifiant unique à usage mondial. Ce n'est pas la seule mesure. Depuis le 1er juillet 2020, les associations membres sont tenues de mettre en place un système d'enregistrement électronique des joueurs et joueuses, ainsi qu'un système national de régulation des transferts nationaux. Ces systèmes doivent également être intégrés à TMS, la plateforme spécialisée au service d'identifiant Connect, à l'interface Connect de la FIFA. À la Fédération camerounaise de football, nous exigeons la présentation d'une carte nationale identité comme préalable à la délivrance d'une licence de joueurs, y compris pour les mineurs. Le processus numérisé de la fabrication de cette pièce d'identité, réduit les fraudes à l'identité. Ces mesures commencent à produire leurs effets dans la régulation de la mobilité des sportifs, mais on peut faire mieux. Il est possible d'éradiquer ce fléau, notamment en adoptant la biométrie. On pourrait délivrer une carte d'identité du footballeur comportant des données biométriques. Stocké dans une carte à puce et dans un fichier centralisé à la FIFA ou ailleurs. En effet, si les empreintes digitales ou une autre donnée biométrique performante figurent sur la carte à puce, le gain en sécurité est meilleur. Il reste à régler les obstacles juridiques liés à la protection des données personnelles. Au bout du compte, la solution à la traite des footballeurs se trouve dans les recours aux technologies nouvelles d'identification et de surveillance. Ces moyens présentent l'avantage d'être à la fois mobiles et intelligents, c'est-à-dire capables de s'adapter à la mobilité des individus, de les suivre à la trace, leurs itinéraires et de déterminer leur véritable identité. La solution se trouve également dans la mise en place d'un système intégré permettant une interconnexion entre les services de sécurité des États, les fédérations nationales et l'instance mondiale qu'est la FIFA. Pour ce qui nous concerne, à la Fédération camerounaise de football, nous faisons un travail de fond pour réduire l'attractivité de l'exil par la construction des infrastructures modernes et par l'octroi de revenus en hausse aux joueurs. Si nous parvenons à stopper cet exode, nous rendrons un fier service au continent africain qui a besoin de sa jeunesse pour se développer je vous remercie on l'appelle l'homme sage on l'appelle Samuel et ton fils on l'appelle comme ça le Thomas Sankara du football africain celui-là qui ne défend pas juste les valeurs de son pays, mais les valeurs de tout le continent africain. Est-ce qu'on peut applaudir demain pour ce futur président de la FIFA Parce que c'est là où on attend qu'il finisse. Parce que quand quelqu'un est ouvert d'esprit, quand quelqu'un ne fait pas les choses juste pour lui, qu'on lui donne les responsabilités. Il y a des gens là-bas qui embêtent, même moi, c'est eux qui font quoi là-bas Donnez ça à Mbini, là, vous montrer comment on gère ça. Il a touché au football du doigt. Il connaît les difficultés, il connaît les avantages, il connaît comment gérer. Donnez-lui ça va vous montrer. Ne regardez pas le fait qu'il a la peau marron là. Hein? Ça c'est quelqu'un, il a tout. Il a tout ce que vous n'avez pas. C'est Samir et au fils. L'ongambé, le fils du continent. On est derrière toi. A fait qu'à vous tu le temps pour rien. On t'attend à la FIFA. Président de la FIFA. Oh, après tu viens boire un bien encore.